Allô la gang! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé ma caméra de vlog. Oh my god, je suis tellement contente. Ok, aujourd'hui j'ai décidé de vlogger parce que ça va être une grosse journée. Oui, avec mon amie Lisa. Donc, j'ai vraiment hâte. On a plein de choses de prévues. Fait qu'on va vous amener avec nous. Et là, faut que je parte. Je m'en vais faire mes ongles parce que regardez. J'ai dû toutes les arracher. Puis les couper, mes ongles étaient rendus vraiment longs. Puis là, je m'en vais les refaire parce que c'est ça. Puis, je vais juste vous montrer mon petit tableau aussi que j'ai fait. Genre, ça, je l'avais acheté au Winners, le Follow Your Dream. Et là, j'ai vu ça sur Pinterest. J'ai mis Goals. Ça, c'est toutes mes goals que je veux accomplir en 2017. Puis en bas, c'est marqué Done. Fait que quand ils sont faits, j'ai dessiné sur la corde en bas. Puis on dirait que c'est motivant. Puis. T'sais, tu les vois là sont dans ta face, fait que on dirait que tu te lèves la tête, tu regardes, t'es comme ok go, genre je suis motivée, puis tu le fais, genre. Fait que c'est ça. Fait que faut que je parte là parce que sinon je vais être en retard. Hello, je suis revenue de mes ongles et voici mes ongles. Donc je les aime vraiment beaucoup. C'est comme un petit rose, je sais pas si on voit bien, un genre de petit rose beige, pas trop rose, fait que je vais pas me tanner comme. Voilà. Donc là je m'en vais rejoindre mon amie Lisa et on s'en va. À Boucherville, parce que, oh my god, je suis vraiment énervée, on s'en va au Café Saint-Laurent. Comme ça fait tellement longtemps qu'on s'est dit qu'on veut aller là. Donc c'est à Boucherville et il y a une autre youtubeuse qui travaille là. Puis c'est pour ça qu'on s'en va là, parce que genre on veut la voir, puis elle est trop sweet. Fait que je sais pas comment on va si vous savez. Maintenant, si vous savez c'est qui la youtubeuse qui travaille au Café Saint-Laurent. Donc c'est ça, fait qu'on s'en va la voir, puis ça a trop la boue là-bas, c'est fou. Donc on s'en va là et là je vais me dépêcher parce qu'il est déjà 2h30 et c'est comme une demi-heure de route. Donc on se voit tantôt. Bon, fait que là j'étais avec Lisa. Hi. Hi. Et on vient d'arriver à Montréal, comme finalement on n'est pas allé au Café Saint-Laurent. Ouais, parce que ça fermait à 5h, puis c'est comme ça disait que c'était prenait comme 50 minutes. Ouais. Il y avait un accident. Ans. Ouais, c'est ça. Fait qu'on aurait pas eu vraiment de temps, genre, de profiter. Fait qu'à place, on va venir au. C'est Café Venise. Venise. Ouais, Venise. Ouais, Venise. Sur la rue France. Saint-François-Xavier. Dans le vieux port. Donc, on est arrivé, on s'est trouvé un parking et on va aller là. Donc, on va vous filmer en dedans. Bye. Donc on est arrivé au café. Salut. Donc on a pris un petit cappuccino. Cappuccino, ouais. C'est ça. Ouais. C'est genre, ok, j'essaie de vous montrer mais c'est fucking beau genre. Mais j'ai peur qu'ils me disent t'as pas le droit de fumer dans mon café. Hein? Ça fait de la pub. Mais regardez derrière moi. C'est vraiment beau genre comme I can't. C'est ben trop beau. Ok, ouais. Mais c'est Venise. Venise, attends. Je parle tellement pas fort, vous m'entendez, genre ça, moi, en fait. Nous avons été au café et là nous sommes rendus sur Sainte-Catherine. On est allé au Urban Outfitters et on n'a rien trouvé. Mais en fait, j'ai failli acheter une casquette. Attends, stop. Ouais. J'ai failli acheter une casquette vieux rose, là, comme j'ai tout en vieux rose dans la vie. Mais j'ai rien acheté. Et là, on s'en va. On est allé au Forever. C'est vrai que je sais pas, c'est juste une question. Je vais pas t'interrompre. Mais j'ai rien à dire non plus. On n'a rien trouvé. Et là, on s'en va au Aldo. Genre, c'est fucking illuminé. Genre, on se croirait semi à New York, non? Ouais, sur 5-4. Ah, ici, oui. Ouais. Un peu, genre, ouais. Tu sais, un peu dans le vibe. Peut-être pas le Times Square, là, mais. Ouais. La moitié cool. Du Times Square. Fait qu'on s'en va là et on vous parle après. Après, on s'en va au Ikea. Yay! Yay! So excited! Donc, Liz a acheté des lunettes. Des lunettes pas de vue, là, bien évidemment. Au Aldo. Au Aldo. Là, on sait pas où aller parce que on doit tuer du temps avant d'aller au Ikea parce que c'est encore le trafic. Ça prendrait 23 minutes. Il n'y a pas tant de trafic, tu vois. C'est pas si mal. Ok. Fait que. Qu'est-ce que c'est? On peut y aller, là. Mais moi, il n'y a pas d'autre magasin que. Moi non plus. Est-ce que quelqu'un m'a rentré dans le cul, genre, ça fait un non, c'est toi qui t'as détaché ton pied du frein.
Donc, on voulait dire notre impression du Venice Montreal, le petit resto, c'est quoi, un bistrot, on dirait un peu? Ouais. Tu peux avoir, je pense qu'il y a des cocktails, ben, il y a un bar, un mini-bar, c'est super petit. L'adresse, c'est 440 rue François-Xavier. Ouais. Au pire, je vais mettre ça dans Voir d'Info, là. Dans Voir d'Info. Parce que ça vaut tellement la peine. Sérieux, il faut que vous allez là, c'est la vie. Mm. Et si vous voulez manger, par contre, leur souper, comme appeler pour réserver, parce qu'il dit que c'est tout le temps plein. C'est vraiment drôle, parce que je ne savais pas, puis le propriétaire, je le connais. Fait que, il est vraiment gentil. J'ai travaillé avec, comme ailleurs, là, puis... Je l'ai vu là, je me suis dit, hey, je commence à parler. Puis là, il a dit que c'était un des propriétaires. J'étais comme, my god, félicitations, c'est donne trop beau ton. C'est vraiment beau là. Je capote, tu sais, j'aurais dormi là comme, je veux habiter là. Tu comprends-tu? Mm-hmm. T'as vu que la déco, c'est beau là. Si vous voulez prendre des photos là, un peu là, ils sont vraiment ouverts aussi parce qu'ils sont habitués, ça a l'air là. Puis on vient de prendre des photos pour Instagram. Parce que nous, on prenait plus de photos, genre, mon Kodak là. Puis j'étais comme. Comme mur de céramique. Oh, mais dans le fond, tu vas mettre les clips que t'as pris un peu, Vélie. Ouais, je vais mettre un peu les clips. Ouais. Puis sinon, on s'était dit qu'on allait retourner dans le jour pour que les clips soient un peu meilleurs, là. On va reprendre les meilleures photos qu'on va pas vous montrer. Mais c'est ça, la bouffe, il y a comme des soupes. Ça a l'air vraiment santé, là. Puis il y a des options pour si vous êtes vegan. Ouais. Nous, on a pris un bol d'acai. Oh, ben, on l'a montré dans le fond, là. Ouais, c'est vrai, c'était vraiment c'était bon. C'était vraiment délicieux. Vraiment, là. Puis abordable, ben ouais. Ouais, là, vraiment, là, le bol était 13$, puis, tu sais, on l'a mangé à deux en plus parce que c'était quand même gros, là. Ouais, vraiment. Fait que, pour ça, c'était nice. Ah, ça fait des épaules, en faire ça. Oh my god. Ça te fait des muscles. Ouais, moi, ça. Okay. Elle se pratique parce qu'elle veut faire sa chaîne YouTube. Fait que, encouragez-la. Faites un thumbs up si vous voulez qu'elle fasse sa chaîne YouTube. Mais ça serait plus des vidéos, juste des vlogs, en fait, là. Plus. Plus. Mais ma vie est vraiment pas palpitante, là. Tu sais, je vous avertis. Je vous avertis. Mais, en tout cas. Là, on s'en va au Ikea parce que je vais m'acheter un. Ça a-tu un nom, cette table-là? Ouais, Mickey. Ah, une table Mickey. Un bureau, table genre, du bureau, ouais. De travail. Mais dans ma chambre. Oui, dans ma chambre. Ouais, c'est une idée de vue. On va m'acheter ça. Non, j'aime pas. C'est tranquille. Puis moi, une chaise parce que ma chaise, le bureau est vraiment pas confort. Désolée, Jules, c'est ta chaise que tu m'as donnée, mais tu m'as averti qu'elle était pas confort. Fait qu'elle est vraiment pas confort. Donc, j'aime trouver une autre chaise. Une autre chaise, moi, s'il y en a une. Puis ça va être une émission de Ikea. Fait qu'on vous amène avec vous. Yay! À plus! À plus! Donc, on a regardé les chaises parce que j'ai besoin d'une chaise. Puis je crois que je vais prendre elle. Elle est 20$. Puis elle est déjà plus confort que celle que j'ai déjà chez moi. Donc, je pense que ça va être ça. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Mais toi, t'as toujours pas de chaise. Hein? Toi aussi, faut t'en choisir ça. Je sais, mais j'en ai pas de gel. Non. J'aime la transparente. Parce qu'elle veut acheter le bureau, donc il faut une chaise. Mais c'est parce que c'est cher, les chaises. On va aller voir ailleurs. Nous sommes au Ikea, petite boulette d'Ikea. Si vous connaissez l'Ikea, vous savez que les petites boulettes sont bonnes. Fait que Lisa a jamais goûté. Elle va faire le test à l'instant. Tu vas me dire ça si c'est bon. Chin. Bonne. Oh my god, ok. T'approved. Ah ouais. C'est bon. Ça ressent chaud par exemple. Ah non, c'est frais. Ah, malaise. C'est tiède, mais. Attends, je vais goûter, voir. C'est vraiment. C'est peut-être la sauce qui était tiède, là. Mm-hmm. Chin. Ouais, un peu tiède. Tiède, hein? Déçu un peu. Tiède, c'est froid, là. Ouais. Ah. Mais bon, pareil. Ouais. Fait que, c'est ça. Je prends un café, puis c'est ta volonté. Puis t'as une grande tasse, en plus. Ouais. Bon appétit. Merci. What you gonna do with that dessert? Do what, 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 do what